وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Tout le bien, toute la tranquillité, c'est dans le fait de fermer les yeux et d'oublier et de pardonner. Dans le fait de feindre l'inattention. Feindre l'inattention, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as compris qu'on se moque de toi, mais tu fais comme si tu n'avais pas compris. Tu as vu qu'il te fait du mal, mais tu fais comme si tu n'avais pas vu. Tu passes pour un idiot, pour un mutaraffil, pour un insouciant qui comprend rien, mais tu comprends très bien. Feindre l'inattention. Écoutez ce qu'a dit l'imam Ahmed sur cette qualité-là, at-taghaful. On lui a dit, oh imam, on a dit que tout le bien, le fait d'être préservé de tout mal, il est divisé en 10 catégories. Et que 9 dixièmes de ce bien, du fait d'être préservé de tout mal, c'est dans le taghaful, dans le fait de feindre l'inattention. L'imam Ahmed rahimahullah a répondu non. 10 catégories sur 10 pour être préservé, c'est dans le fait de feindre l'inattention. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit dans des vers de poésie dans le sens: quand j'ai pardonné et que je n'ai de gardé de haine envers personne, j'ai apaisé mon âme des soucis de l'animosité envers les autres. Allah Ta'ala a dit dans le sens des versets dans Sourate Al-A'raf: accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Quelqu'un qui t'offre un pardon, une excuse raisonnable, accepte-la, ne sois pas trop exigeant. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.